Bonsoir, comment allez-vous? En tout cas, je vais très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Une vidéo spéciale, tutoriel, un petit tutoriel. Bon, mettez un pouce bleu. Comment le dire, mais voilà. Il y a une nouvelle fonctionnalité sur PlayStation. Oui. Du coup, ici, il y a la nouvelle fonctionnalité. Alors, c'est disponible sur le PS App. Du coup, voilà. N'hésitez pas à l'installer, c'est gratuit. Je fais ça sur mon deuxième compte parce que je vais vous dire par la suite, mais voilà. Alors, ici, remporter des points de collection numérique. Commencez votre parcours PlayStation Star et remporter des récompenses en terminant des campagnes. Utilisez des points. Échangez vos points contre des articles du PS Store tels que des jeux, des extensions, des objets de collection numérique ou pour apprivoiser votre porte-monnaie. Ces points arrivent à expiration 24 mois après leur obtention. Non. Niveau supérieur, montez votre progression dans les 4 niveaux du statut et remportez des articles de collection exclusifs. Non, du coup, voilà. Bon, c'est bien clair en tout cas. Du coup, vous faites s'inscrire maintenant. Vous devez accepter les conditions. Là, vous pouvez choisir. On va appliquer comme ça. Voilà, on est au niveau 1 du truc. Et là, il y a la... Voilà. Dès que c'est fait, voilà, vous avez des récompenses ici. Si vous avez des petits trophées. Des petits persos, des petits comme des pops. Là, vous pouvez acheter des jeux. Ça, c'est dans le PS Store Reward. Alors, il y avait une autre fonctionnalité. Enfin, c'était PS Store Reward. Et que, en gros, on pouvait gagner de l'argent, je pense. Et voilà. Ici, ben, on a, je pense, l'article commun. Là, ça c'est notre premier truc. Du coup, voilà, vous avez plein de défis ici. Là, il vous propose des jeux. Enfin, je crois que c'est les jeux. Ici, il reste 33 jours. On appuie dessus. Inscription automatique. Là, c'est les récompenses. Le défi du World Warrior. Voilà. Si les compagnes, les récompenses. Voilà, vous mettez votre article ici. Après, il n'y a pas que ça aussi. Bon, fallait... Bon, j'aurais dû peut-être pas commencer par là, mais... Mais voilà. Du coup, ici, bon, vous écrivez PlayStation Star inscription. Là, vous allez mettre votre email. Du coup, moi, je vais pas le montrer quand même. Là, on est sur le site. J'ai mis mon compte. Là, voilà. Là, vous pouvez aller voir le. Vous pouvez voir sur l'application, mais il y a juste acheter des objets et tout ça. Là. Pour le coup, ça va être précis. Donc, ouais, ici, c'est pour le télécharger. Ici, les objets à collectionner. Ici, voilà. Les points, obtenir des points, peuvent être échangés. Ouais, voilà. Comment obtenir des points, terminer des campagnes mensuelles, personnalisées ou parcourir le PlayStation Store. Alors, ils seront disponibles. Pour voir le truc, ils seront disponibles sur le PlayStation Store. Du coup, voilà. Vous voyez, vous avez le niveau 1. Rejoindre PlayStation Store, jouer et terminer les campagnes. Avantages, accès à des objets virtuels à collectionner en terminant des campagnes, etc. Là, le niveau 2, si vous achetez un jeu complet sur le PlayStation Store, obtenir un trophée rare ou supérieur. Avantages. Les avantages, genre, obtention
d'un objet à collectionner commémoratif du niveau 2 et accès à tous les objets à collectionner du niveau 1. En gros, si vous achetez un jeu complet, bah, vous allez, je pense, déjà directement tous les débloquer, les objets du niveau 1. Et puis, le niveau 3. Acheter deux jeux complets sur le PlayStation Store, obtenir 32 trophées rares ou supérieurs. Avantage, obtention d'un objet à collectionner commémoratif du niveau 3 et d'un objet à collectionner d'anniversaire. Bon, vous aurez un objet d'anniversaire. Et le dernier niveau, acheter 4 jeux complets sur le PlayStation Store et obtenir 128 trophées rares ou supérieurs. Avantage, quels sont les avantages? Obtention d'un objet à collectionner commémoratif, routage prioritaire du chat et accès à tous les objets des niveaux 1 et des niveaux 2. Ça veut dire, si vous achetez un jeu, là, vous allez obtenir tout. En gros, comme par exemple, on va dire un exemple, comme sur Fortnite. Vous achetez le club, enfin, vous achetez tout le pass de combat, ça est égal à acheter 4 jeux complets et avoir tous les objets, quoi. En gros, c'est ça le but. C'est ça qui représente. Du coup, voilà. Hein. Pour faire les défis, ils sont écrits. Hein. Ils sont écrits dans le PlayStation, dans l'application. Ici, vous pouvez consulter votre activité. Voilà. Ça lance dans le jeu. Voilà. Ici, vous avez les trophées rares et au-dessus. Là, vous achetez des jeux complets. Là, vous aurez des historiques des points. Là, vous n'avez aucun. Pour l'instant, vue d'ensemble. Ça retourne au truc que j'ai mis le site. Du coup, le site, en fait, vous ne devez pas l'écrire. Vous devez juste l'appuyer dans le PlayStation Store et dans le profil d'ici, tout en haut. Et le vue d'ensemble, ça, c'est annuler l'abonnement. Ne pas annuler si vous voulez annuler. Bon, c'est pas un conseil, mais voilà. Là, pour appuyer ici, vous pouvez mettre une scène ici. Vous pouvez changer. Alors, on va mettre comme ça, ça a l'air stylé. Et les articles, bah, les articles, c'est les objets. Et puis ici, il reste un jour. Alors, inscription automatique, jouer à n'importe quel jeu. Ça veut dire, ça commence maintenant, du coup. Si vous pouvez pas jouer, bah c'est pas grave. Mais là, vous avez les défis, quoi. Ils sont là, les défis. Ici, vous jouez à n'importe quel jeu, encore une fois. C'est le mois d'octobre. Et en octobre, tout reste... Ok, vous jouez juste à n'importe quel jeu. Je pense que c'est facile. Hein. Puis, il y a le défi en ligne en Warrior. Alors, vous avez... ici, les défis, les gestes. Par exemple, là, je vais jouer à Mortal Kombat 11. Là, ici, c'est des récompenses si on achète l'un de ces titres. Là, c'est pour jouer... un jeu en lien avec avec voilà quoi, un lien avec cet objet, un lien avec le jeu. Les récompenses sont là aussi, c'est les pièces que vous avez, vous pouvez les acheter. Bon, ils sont pas incroyables, mais voilà. Après, c'est que le niveau 1, je pense, ici, puis ça va augmenter. Là, vous pouvez acheter les jeux 10 000, 15 000, et puis où vous pouvez gagner des points sur
en achetant des cartes PSN. Vous pouvez acheter des cartes PSN en ligne sur le store. Plus besoin d'acheter des cartes. Bon, après, si vous êtes un flemmard, on peut mettre sa carte ou acheter des cartes, mais voilà. Articles de collection, bah, c'est les collections que vous avez. Et voilà, quoi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Bon, je sais pas actuellement, la vidéo est sortira quand. Peut-être aujourd'hui ou demain, voilà. Et du coup, je vous dis ciao pour une nouvelle vidéo. Et je vais chier surtout aussi.